La planète dinosaure était un monde d'une incroyable diversité, peuplé de créatures qui ont su coloniser tous les continents. Ces êtres n'ont cessé d'évoluer, de s'adapter au point qu'ils ont réussi à régner en maître absolu sur cette planète. Pourtant, ils étaient condamnés. Les scientifiques sont tous d'accord aujourd'hui. C'est un astéroïde venu percuter la Terre qui a causé leur disparition. Large de 15 km, cet objet céleste filait 20 fois plus vite qu'une balle de pistolet. Il s'est abattu dans la province actuelle du Yucatan, au Mexique. Son impact, plus puissant qu'un milliard de bombes atomiques, a provoqué des incendies, des tremblements de terre d'une magnitude énorme et des tsunamis. Mais son effet le plus dévastateur fut la projection de débris dans l'atmosphère. Entouré d'une couche de poussière qui masqua la lumière solaire pendant des mois, la planète se trouva plongée dans les ténèbres et le froid. Les animaux survivants durent faire face à des réactions en chaîne dévastatrices. Privés de lumière, beaucoup de plantes meurent. Les végétariens, comme ce magyarosaure, sont les premiers touchés. Ce sont les géants qui pâtissent le plus du manque de nourriture. Quelques jeunes pousses permettent aux petits herbivores de reprendre quelques forces, mais c'est insuffisant. Au début, les charognards s'en sortent plutôt bien. Avec tous ces végétariens morts de faim, ils ont de quoi festoyer. Mais cette abondance est illusoire. Une fois cette manne épuisée, les charognards s'éteindront à leur tour. L'impact de l'astéroïde a détruit toute la chaîne alimentaire. Et l'extinction ne frappe pas seulement les dinosaures, mais toute la vie sur Terre. Plus de 60% des espèces sont balayées de la surface du globe. Cependant, l'extinction ne s'est pas faite au hasard. L'un des facteurs déterminants du sort qu'ont subi les dinosaures a été leur taille. Aucun animal terrestre de plus de 25 kg n'a survécu. Il n'y avait plus assez de nourriture pour alimenter les géants. L'ironie du sort veut que ce qui a fait le succès des dinosaures a également causé leur perte. Les découvertes de ces dernières années dressent un bilan saisissant. Les dinosaures étaient des champions de l'adaptation, des as de la survie. Malgré tout ce qu'ils ont traversé, la dérive des continents, la montée du niveau des océans et d'innombrables bouleversements climatiques, ils ont continué à se diversifier et à prospérer. Sur la terre ferme, dans les océans, au cœur des forêts, et même dans les airs.
Ils ont conquis tous les continents et régné pendant plus de 150 millions d'années. Ils ont été et demeurent les animaux les plus prospères de l'histoire du monde. Et c'est finalement un objet extérieur à la Terre qui a mis fin à cette planète dinosaure.